malheureusement dû décliner l'invitation pour des raisons personnelles. Il y aura donc deux femmes qui y arriveront demain, Julia Murat et Camara Kamalova, on les saluera en temps voulu, et deux hommes que je vous présente. D'abord Braden King, qui nous arrive des États-Unis, qui avait signé un magnifique film qui s'appelait Here, tourné en Arménie, donc un Américain qui tourne en Arménie, ça nous intéresse, et qui avait été sélectionné au Festival de Berlin il y a 2 ans. Le film a été choisi par Atom et Goyal, on est très heureux d'accueillir Braden King. Ensuite, un cinéaste que Fribourg connaît bien, puisqu'il avait gagné ici le Grand Prix avec un film formidable qui s'appelait Historias Minimas. Il revient non seulement avec un film pour moi aussi formidable, qui s'appelle Diaz de Pesca et qu'on va passer en première ici. Je suis très content d'accueillir Carlos Sorín qui nous arrive d'Argentine. Ladies and gentlemen, another warm round of applause. For the members of the international jury of the 27th Film Festival Fribourg. Alors Thierry, dans quelques instants, nous allons voir le film d'ouverture, Bécasse. Raconte-nous un peu, pourquoi as-tu choisi ce film particulier ? Alors honnêtement, on a eu du mal à trouver un film d'ouverture aussi fort et aussi qui va départager, je pense, le public comme on avait trouvé ça l'année dernière. C'est pas facile de trouver un bon film d'ouverture, vraiment pas facile. Et on était un peu désespérés au moment où on est tombé sur Bécasse. Et après avoir sélectionné tout ce festival que vous allez découvrir avec d'un côté du sport, du jeu, des enfants, c'est un peu la couleur du festival cette année, hein, l'enfance, le jeu, le sport, comme un prolongement. Et bien tout à coup, on est tombé sur un film qui commençait par un match de football, avec des enfants qui rêvaient de Superman dans le Kurdistan irakien et qui rêvaient de partir en Amérique sur un âne. Et je me suis dit, c'est parfait, c'est le film qu'il nous faut. Et a fortiori, réalisé par un cinéaste qui a grandi, enfin qui est né dans le Kurdistan irakien, qui est parti, qui s'est exilé, qui a appris à faire du cinéma en Suède, pour ensuite raconter son enfance. C'est un film qui sort des tripes, quand on raconte son enfance, quand on raconte une histoire comme celle-là. C'est des films qui sortent des tripes qu'on veut ici. On ne veut pas des films qu'on sait faire simplement parce qu'on sait faire du cinéma, parce qu'on a appris à faire du cinéma. On veut des films qui sortent du ventre, du cœur. Et ce film-là, c'est Bécasse. Et je suis très heureux que Karzen Kader soit là pour nous le présenter. On y est. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir den Mann hinter dem Film, the man behind tonight's movie, Karzan Kader. Thank you so much. Thank you for the nice words. Thank you. Mr. Kader, the main characters in your film are children. We would like to know, how did you find these young actors and which part of your film is autobiographical? Well, not too complicated because I have to translate. Okay, thank you. Well, the thing is, when I started to cast the boys, I wasn't looking for two boys that was good actors and could deliver good lines in front of my camera. I wanted to catch me when I was there. I wanted to find my brother, myself and my bigger brother. Il n'a pas cherché particulièrement des acteurs qui jouaient bien, il a cherché à retrouver lui et son frère. And when I started with that, it's a good idea. It's but it was very hard, very, very hard. And on the way, I regretted 100 times. But I don't know, when I woke up, I still fight it for it. And in the late in the night, I was thinking, why am I doing this? C'était très dur à faire avec ces personnages-là, et même au milieu de la nuit, ils se réveillaient en disant, mais pourquoi je suis en train de faire ça? So I went through every school in Sleimani and in Kurdistan, and the big city, and the teacher was, they hated me. Everybody was working with me who hated me because I didn't give up. I was seeing so many kids every day, so many kids, and I wasn't satisfied with anyone. And they were saying, like, this guy maybe don't know what he is doing.
le directeur de l'école où il était dans une grande ville au Kurdistan le détestait parce qu'il n'arrêtait pas de voir des enfants sans arrêt. Je résume à la Terry Frémo à Cannes, il fait encore plus court. Hein. But the thing is, when you work hard, it's gonna pay off. I know that it's had to happen for me before, and it's gonna happen again. And it was magic. One day before shooting day, this is very crazy. One day before shooting day, I found the boys, and there was like match made in heaven. And everybody who was very tired of me understood why I was so frustrated about. I had to work hard to find this voice. Quand on travaille, on obtient quelque chose, et c'est seulement un jour avant le début du tournage qu'il a fini par trouver, et tout le monde s'est dit, ok, il a pas travaillé pour rien. Did he say that was one day before shooting? Yeah, one day. All right. Je l'ai dit. Un jour avant. One day. Yeah, absolutely. It was the most important part. So, there was the magic story about the boys, and what was the second question? The autobiographical part of the film. Yeah. The thing is, like, you know, when we make films, we steal a lot of on our lives, and it's very important because that makes the story more honest voice. And for me, when I was little, it was middle of the war. And me and my father saw this film, Rambo, the first film of Rambo. C'est très important de se baser sur sa propre vie pour faire des films qui sont du coup plus honnêtes. Et quand il était jeune, il a vu avec son père ce film qui s'appelle Rambo, vous connaissez peut-être. Yeah, so I was this little, and I was thinking, man, this guy is amazing. He's huge, he got muscles, he's brave. He's one man army against 1,000. Il s'est dit, ce gars est formidable, il a des gros muscles, il se bat contre 1,000 personnes et il peut gagner. So I get this brilliant idea and I was thinking, let's find this guy and bring him here and set us free. C'était durant la guerre. Et il s'est dit, on va avoir cette idée, allons chercher ce type, il va nous aider. So, there was I, 5-6 years old, I think, and I had this great idea. And when we left Kurdistan in the middle of the war, on the way to America, it was very hard. It was 11 months on our way to get somewhere more safer. And No one told me that Rambo is not for real, he's not existing. Quand ils sont partis, quand il avait environ 6 ans au milieu de la guerre, il leur a fallu, c'était un long voyage, il est parti avec son père aux États-Unis, United States first. C'était un voyage de plus d'un mois sans savoir exactement où aller, mais personne lui avait dit que Rambo n'existait pas. So the magic was, I didn't know, but inside myself, it was real. And that took a lot of pain away from me on the way to get somewhere to be safe. And my idea was protecting me. And that was very beautiful of my parents who never told me. Drop it, he's not for real. So. Ses parents lui avaient pas dit qu'il n'existait pas. Et il leur en veut encore un petit peu. So, Mr. Kader, we have another question for you. In your film, the children have a dream, as you said before. They are looking for something. They are looking for America. And they are determined to go there, even if it's on the back of a donkey. So, do you have a dream of your own? And how would you go about to pursue it? The thing is, I believe that everyone in this room have a dream. Big ones or small ones. Everybody have that. And it's very beautiful. And my dream is to have this chance I have today to tell more stories. And I love to tell it by film. Quand on lui demande s'il a un rêve, il dit ce qui est beau, c'est que tout le monde parmi vous dans cette salle a des rêves, un rêve. Le sien, c'est de pouvoir continuer à raconter des histoires. Yes. Thank you, Kazan Kader. The director of tonight's opening film, Vegas.